Bonjour, bonjour à tous les amis, c'est Franck Nicolas, fondateur de Globe et du programme de coaching Starter. Je suis ici en ce beau week-end, fin de semaine, ici à Miami, Floride, États-Unis évidemment, avec une température à faire pâlir mes frères et mes amis à Montréal. Un bon 26 degrés aujourd'hui au soleil. J'espère que vous passez une très belle fin de semaine, vous aussi. Et je voulais vous proposer un nouveau temps fort pour qu'on puisse d'être ensemble, de pouvoir prévoir, anticiper cette année. Et vous le savez, on est en début d'année. C'est une grande période en ce moment qui questionne beaucoup de gens sur quel homme, quelle femme je dois devenir dans un lieu vraiment chouette ici, Floride, un très bel hôtel aussi. Et j'aimerais vous donner la parole aujourd'hui. C'est un jeu de questions-réponses pour vous amener à avoir plus de clarté sur l'homme et la femme que vous voulez devenir aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui et surtout pour construire demain. Alors donnez-moi vos prénoms, votre ville, votre prénom. Où est-ce que vous êtes en ce moment? Dans quel pays? Dans quelle ville? Et puis on va pouvoir en discuter ensemble. On a Cathy, bonsoir Cathy, bonsoir Philippe Saint-Onge. Une connexion internet qui est relative, je dois avouer que le wifi est pas excellentissime. Mais on devrait s'en sortir malgré tout durant ce live. Bonjour Brigitte, bonjour Laurence, bienvenue à tous, soyez les bienvenus. Mathilde, bonjour Mathilde de Paris. Emmanuel, bienvenue aussi à nos amis de Belgique, France, Suisse, Luxembourg. États-Unis, Canada, Montréal. Montréal, c'est chez moi. Je vais retrouver d'ailleurs mon équipe pas plus tard que dans pas longtemps. On a Sonia. Bonjour Sonia. Notez-moi si vous le souhaitez, votre ville, votre pays, votre ville, votre pays. C'est toujours plus simple pour moi de savoir où est-ce que, d'où vous m'appelez et pour mieux connecter avec vous. Toulouse, France, Montréal. Bonjour Rita de Montréal. Bonjour Sylvie de la Creuse. La Creuse, c'est en France, à nos amis français. Le Brésil, Sao Paulo. Bonjour à nos amis du Brésil aussi. On a Sandrine Ternay, c'est la France aussi. Sava de Sava. Et Nathalie d'Orléans. Bonjour, bonjour à tous les amis. J'aimerais vous permettre de trouver les bons outils cette année pour réussir. Alors, je vais d'abord attendre que tout le monde arrive en direct, mais c'est ce que... je vois que c'est quasiment fait, ça y est, vous êtes toutes et tous là. Donnez-moi maintenant rapidement, on en a parlé, ça y est, on en a largement parlé. Donnez-moi en un mot dans les commentaires si vous nous rejoignez. Dites-moi dans les commentaires quelle est, allez, votre principale résolution cette année, mais donnez-moi quelque chose de précis, pas la santé, le bonheur, l'argent, non. Donnez-moi de façon très spécifique, toujours pour vous aider évidemment, quelle est votre résolution pour cette année. Qui je suis? Je suis Franck Nicolas, fondateur de Globe. Globe, c'est une entreprise de coaching et de formation depuis plus de 20 ans. Je fais ce métier à l'international. On est basé physiquement à Montréal et on accompagne des dizaines de milliers d'entrepreneurs dans le monde. Je suis auteur best-seller de plusieurs programmes audio, vidéo et livres best-seller pour aider les employés et les entrepreneurs, les petites entreprises, à développer leur carrière et leurs affaires. Et notre approche à nous pour le faire, c'est d'avoir une approche holistique. Oui, développer sa carrière. Oui, développer son business, oui, augmenter ses revenus, mais pas uniquement. L'argent pour l'argent, ça ne sert à rien. C'est surtout vivre le style de vie que l'on veut vivre dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, dans quinze ans. Vous êtes capable de vivre ce style de vie. Je vous le garantis. Et vous allez le vivre si vous restez stratégique, persévérant, et si vous savez rester positif et vous entourer de gens qui ne sont pas toxiques. Vous allez vous aussi vivre votre style de vie. Comment je le sais ? Eh bien, je suis issu du bas de la classe moyenne, de la classe populaire très exactement, d'un quartier défavorisé du sud de la France. Je vis aujourd'hui une partie de l'année à Montréal et une partie de l'année ici à Miami en Floride, avec mes enfants et ma femme. Et je gère, je suis propriétaire de 4 entreprises, j'ai créé des centaines d'emplois, j'ai gagné mon premier million de dollars, j'avais 28 ans, et je n'ai jamais été aussi plein d'énergie et de santé qu'aujourd'hui, les amis. Et beaucoup de gens me laissaient à penser que l'argent allait me rendre méchant, égoïste, radin et pas du tout solidaire. Bien au contraire, je vous l'ai démontré plusieurs fois, l'argent n'est qu'un outil. Et au contraire, depuis que j'ai de l'argent, je peux redonner de mon temps, comme je le fais à hauteur de 500 heures par an. J'offre de mon temps pour vous conseiller, vous accompagner,
et puis échanger avec vous gratuitement, et ça vous le savez évidemment. Et le fait d'être aujourd'hui dans mon style de vie que je voulais absolument, et d'être dans ce que j'appelle ma version de la réussite, me permet de redonner de mon temps et d'aider les autres. Je vis ma version de la réussite et je vous aide, vous aussi, à vivre et à planifier la vôtre. Voilà qui je suis, très modestement. On organise des événements dans le monde entier. Le dernier en date, c'était la tournée 110. Nous étions 7000 participants à Paris. C'était vraiment chouette. Et on accompagne des dizaines de milliers d'entrepreneurs chaque année. En ce moment, alors que vous êtes en train de répondre à mes questions, quelle est votre résolution principale ? Quelle est votre résolution principale ? Notez-moi ça dans les commentaires. Eh bien, au moment où je vous parle, beaucoup d'hommes et de femmes, évidemment, sont dans un processus de coaching. C'est un programme en ligne qui s'appelle le programme Starter. Je vous en parle maintenant parce que je veux absolument que vous entriez, que vous soyez l'un de mes étudiants, comme les dizaines de milliers d'étudiants cette année, la nouvelle cohorte et nouvelle promotion 2019-2020 de ce programme de coaching en ligne. C'est 5 semaines, des vidéos, des supports pédagogiques, des audios. Vous avez 5 semaines à mes côtés, 5 modules pour préparer, réussir et anticiper votre année. Et c'est un programme de coaching très puissant. Vous êtes des milliers, des dizaines de milliers dans ce programme une nouvelle fois cette année. Allez sur programmestarter.com. Les portes de ce programme de coaching vont bientôt fermer. Ne passez pas à côté. Vous devez me laisser 5 semaines à vos côtés pour vous partager les 25 ans d'expérience que j'ai. J'ai accompagné notamment les 30 principales fortunes canadiennes. Ce programme de coaching est à la portée de tout le monde et il va vous permettre de réussir et de planifier votre année. Si aujourd'hui vous avez une problématique d'argent, de relations, de santé ou de développement de carrière, il y a fort à parier que vous ayez les mêmes problèmes il y a 12 mois. Il y a fort à parier que vous aviez les mêmes problèmes il y a 12 mois d'argent, de santé, de relations. Les gens ne changent pas tant qu'ils n'augmentent pas leur stratégie, leur connaissance. Il vous faut des connaissances et des recettes pour réussir votre année. Et c'est ça le programme Starter. Donc allez sur programmestarter.com pendant que nos amis répondent à tout le monde en ce moment et qu'on partage. Et venez rejoindre ce programme de coaching pour vous aussi ne plus vivre la même année en 2020 que celle vécue et les galères en 2019. D'accord ? Alors j'aimerais vous demander aussi quels sont vos projets pour cette année et quelle est votre résolution ? Quelle est votre résolution numéro 1 pour cette année ? Qu'est-ce que vous avez décidé ? Notez-moi ça dans les commentaires et puis on va pouvoir en discuter. Pendant ce temps-là, je voulais vous dire que c'est vraiment chouette. Cette année, dans le programme Starter, on offre à tout le monde Franck Magazine. Tout le monde va recevoir Franck Magazine cette année. Tous les étudiants du programme Starter vont recevoir... Il y a beaucoup de vent, je vais mettre la caméra ici. C'est chouette, c'est vraiment du live. Ouais. Là, tu peux pas dire que je suis pas en live. Hein. Tous les étudiants vont recevoir Franck Magazine. C'est le premier magazine dans la francophonie consacré au leadership, au développement du leadership et à la croissance personnelle. C'est le premier magazine du genre. Et cette année, il est cadeau. Et on l'offre à tous les étudiants du programme Starter. Donc, félicitations. Et puis, ceux qui seront en Starter Platine, parce qu'on a plusieurs memberships, vous aurez cette année en Starter Platine, vous aurez un billet gratuit pour venir assister à notre événement de 3 jours. On sera des milliers une nouvelle fois. C'est 3 jours à Montréal, du 27 au 29 mars à Montréal. Ça s'appelle le Weekend Spark. Du 27 au 29 mars à Montréal, le Weekend Spark, le WES. 3 jours en totale immersion avec nous et nos invités pour développer votre leadership et votre entrepreneurship. Affaires, carrière, relations, finances, c'est un événement incroyable. Et il est cadeau. L'investissement pour cet événement, c'est 2000 euros, 2000 dollars. Et il est gratuit. On vous offre un billet gratuit pour toute personne qui prend Starter en forfait platine. Donc ça, c'est gratuit. Un billet pour WES et ce sera à Paris. Ensuite, une fois que j'ai fini Montréal, je serai à Paris du 17 au 19 avril. Du 17 au 19 avril, ne manquez pas. Et là, vous aurez un billet gratuit dans Starter. Dans Starter Platine, vous avez aussi cette année un agenda gratuit. C'est bien plus qu'un agenda en fait. C'est un organisateur stratégique de vie qui vous permet d'anticiper, de choisir vos journées, vos semaines, vos mois. Vous allez identifier et mesurer votre humeur le matin et le soir,
choisir vos rituels, c'est une méthode de coaching. C'est bien plus qu'un journal intime ou qu'un agenda lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est d'une durée de 2 mois. C'est un vrai programme de coaching avec lequel vous recevez un programme gratuit vidéo de gestion du temps et de vos priorités et qui vous présente toute la stratégie innovante. C'est une première mondiale de cet agenda 110. C'est un organisateur stratégique de vie. Et ça, lui aussi, il est offert aux starters platine cette année. Starter platine, allez sur programmestarter.com pour vous aussi rejoindre ce programme de coaching en ce moment. Et même si vous êtes dans une période plus délicate, prenez le programme starter en mode régulier, mais surtout travaillez sur vous cette année. Voilà. Alors, maintenant que j'ai annoncé ces beaux cadeaux, c'est pas une surprise, en tout cas pour celles et ceux qui me connaissent, c'est certain que si vous êtes un amateur de jeux vidéo, de sorties, de restaurants, de divertissements, de vêtements et que vous mettez tout votre pognon là-dedans, de vous former comme on le fait en ce moment, ça va probablement pas vous intéresser. Surtout si vous ne me connaissez pas, vous allez vous dire encore quelqu'un qui se dit numéro un mondial. Sauf que nous, c'est vrai, dans la francophonie en tout cas, et je voudrais vous dire qu'on est à votre service toute l'année et pas uniquement dans mes déplacements à l'étranger ou à Montréal ou en Europe ou en Asie. Quel est pour cette année, c'est intéressant parce qu'il y a l'un d'entre vous qui écrit en ce moment « Je n'ai pas réussi à réussir ». Waouh, je trouve ça vraiment très intéressant. Donc bravo Wendy, tu as pris l'agenda et le programme Starter, félicitations. Donc tu as dû recevoir Wendy, j'imagine le Franck Magazine aussi. Franck Magazine, dès que vous inscrivez au programme Starter, vous l'avez gratuitement en cadeau en version PDF. Donc vous pourrez le lire immédiatement. À l'intérieur, vous avez un dossier spécial neurosciences, comment combattre la dépression saisonnière. En clair, la plupart des gens en ce moment souffrent terriblement d'un manque de luminosité. Le corps ne sécrète quasiment plus de vitamine D au contact du soleil. C'est un vrai problème et ça provoque une immense baisse d'énergie. Vous devez savoir que la dépression saisonnière, et le dossier spécial va vous l'expliquer dans Funk Magazine, la dépression saisonnière est plus une question de manque d'énergie que de pathologie, que de névrose si vous voulez, pour faire simple. Et on va vous dire comment affronter tout cela. Moi, je vis une partie de l'année, c'est vrai, en Floride, je voyage beaucoup. Mais j'ai énormément souffert, moi qui suis issu du bas de la classe moyenne, de la classe populaire, j'ai considérablement souffert, je ne sais pas pour vous, mais du manque de lumière l'hiver. Ça a atteigné mon moral, mon efficacité, ma clarté, ma qualité de sommeil. Et voilà pourquoi j'ai demandé cette année à toute la rédaction de Franck Magazine de commencer par un gros dossier spécial sur les neurosciences et comment combattre la dépression saisonnière. Vous avez tout un dossier. Que disent les études et la science? Vous avez un dossier là-dessus dans Franck Magazine. J'ai énormément manqué de lumière. Voilà comment aujourd'hui, ça va vous paraître être extrêmement arrogant et prétentieux, mais je ne le suis pas, croyez-moi. Je ne fais pas de fausse humilité. Je ne suis pas quelqu'un qui va jouer la fausse humilité. C'est de la malhonnêteté intellectuelle. Oh non, vraiment, moi, non, vraiment. Et puis, tu vois la personne en business, elle est impossible, elle est vraiment méchante. Non, le gars que vous voyez vraiment, c'est vraiment lui. Et dans la vie privée, c'est la même chose. Avec un discours un peu direct, ça va vous choquer de la part d'un coach international. Mais je suis un entrepreneur et je dis les vrais mots, comme on dit chez nous au Québec, à Montréal. J'ai énormément souffert d'un manque de luminosité. Mais à l'âge de 13 ans, j'ai choisi l'homme que je voulais devenir. Et aujourd'hui, à 35 ans, sans les taxes, 32 ans si tu veux, je vis mon style de vie plus honnêtement. Et je vis le style de vie que j'avais imaginé à l'époque. Mais tu dois imaginer la personne que tu veux devenir. J'ai pas envie de vous choquer. Honnêtement, aujourd'hui, j'ai pas envie de vous choquer du tout. Même si je suis un peu provocant de temps en temps, mais retenez cette expression. Un chemin vers quelque part mène vers une ville nommée nulle part. Un chemin vers quelque part mène vers une ville nommée nulle part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu planifies toutes tes journées, cet agenda, je vous l'ai dit, je vous l'offre cette année dans Starter Platine. Allez sur programmestarter.com, T-E-R à la fin, et vous aurez cet agenda gratuit. Si vous ne planifiez pas votre journée, votre semaine, avec une méthode de coaching, pas juste lundi, mardi, mercredi, les rendez-vous, les to-do list, hein, surtout pas ça. Si vous ne planifiez pas votre journée, votre mois, votre semaine, votre année,
qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous croyez réellement que vous pouvez atteindre un niveau, vous allez monter un niveau, mais vous ne savez pas à quel niveau vous voulez monter? Alors moi, je veux être ici. Génial, tu veux être ici, c'est parfait. Mais où est-ce que tu veux être? Tu pourras jamais sauter à cette hauteur. Tu ne pourras pas sauter à cette hauteur si tu n'as pas déterminé à quelle hauteur tu voulais sauter. Si tu n'as pas déterminé ton degré et ta puissance physique ou ta technique. Et quel que soit le sport, tous les sportifs le savent, toute réussite s'anticipe. Voilà pourquoi je vous invite cette année à savoir exactement ce que vous voulez. Je vous ai pas dit que ce n'est pas parce que tu as choisi une cible que tu vas l'atteindre tout de suite. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps d'atteindre ta cible. Et ça ne va pas, même pas t'assurer d'atteindre la cible. Tu comprends? Ce n'est pas parce que tu veux réussir que tu vas réussir. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Je ne suis pas un gourou, un cartomancien, un médium, un voyant ou un vendeur de tapis. Je suis un coach, j'ai créé une entreprise de coaching et de formation avec des outils qui m'ont moi-même sauvé la vie. C'est le coaching avec cette maïeutique de Socrate et ce sont les connaissances qui m'ont permis de m'en sortir de mon quartier. Je suis devenu un tout autre bonhomme, mais parce que j'ai travaillé fort sur moi. J'ai mis plus d'argent dans ma tête, dans mes connaissances, mes formations, mes lectures, qu'en dans des boîtes de nuit. À 18 ans, tous mes amis sortaient en boîte de nuit. Je travaillais. Entre l'âge de 15 ans et l'âge de 25 ans, je n'ai pas pris un seul jour de congé. Quand tous mes amis le vendredi disaient « Oh là là, je suis fatigué !» Moi, je travaillais et je mettais de l'argent de côté, je lisais et je réinvestissais dans des formations pour augmenter mon niveau. Et aujourd'hui, ces mêmes copains du quartier me disent « T'as eu de la chance, toi, contrairement à nous. » Et à l'époque, ils me traitaient de loser. T'entends? J'étais le mauvais élève de la classe pour eux. J'étais un loser. Je sortais pas, je buvais pas, je faisais pas la fête. J'étais pas fun. Force est de constater qu'aujourd'hui, ma vie est beaucoup plus fun. Et les gens qui me connaissent pas vont dire « Oh, regarde l'arrogant, hein, pour qui il se prend ?» Je suis là pour t'aider, pas pour te rabaisser. J'ai réussi à vivre ma définition de la réussite. Et je veux que tu réussisses la tienne parce que tu vas le faire et tu peux le faire et tu y as droit. Et c'est ce que je me suis dit à l'âge de 13 ans. Je peux sortir de mon quartier. Je peux sortir de ma misère. Et j'ai gagné mon premier million de dollars, j'avais 28 ans. Mais à l'époque, il n'y avait pas de programme de coaching, notamment en français, comme le programme Starter que je vous propose maintenant. Ça n'existait pas. Et j'aurais pu gagner mon premier million bien avant et impacter les autres et créer des emplois bien avant. La société n'a pas besoin, je vais vous choquer, mais la société n'a pas besoin de gens pauvres. Une personne pauvre... Vous avez vu les gens pauvres dans la rue, les SDF? Personne ne les regarde. Personne ne leur donne le moindre regard de tendresse et de reconnaissance. Ils sont jugés eux aussi. Les SDF, les gens qui n'ont pas d'argent, sont rejetés. Alors vous allez me dire, mais les gens riches et les gens qui ont de l'argent, eux aussi sont rejetés. Oui, bah du coup, j'ai choisi mon camp. Quitte à être rejeté, si tu vois ce que je veux dire. Donc cette année, pensez à cela. Vous devez déterminer qui vous voulez devenir. Une nouvelle fois, je suis votre serviteur. Je fais de l'entraide des autres à ma façon, parce que je pense que je dois vous apprendre à pêcher plutôt que de vous donner un poisson, cette image de la Bible. Mais dans beaucoup de livres saints, vous retrouvez cette image-là. Je dois vous apprendre à pêcher. Mais à un moment donné, saisissez les occasions aussi. Vous savez, je ne suis pas un amateur, je ne suis pas un blogueur amateur qui veut faire des vues sur YouTube, Instagram, Facebook. Je suis patron d'une entreprise, de quatre entreprises, et notamment d'une entreprise de coaching. Notre entreprise de formation, elle est certifiée et agréée au Canada. Et on accompagne des leaders et des entrepreneurs, des dizaines de milliers de personnes chaque année. Je sais que sur Internet, tout le monde est spécialiste et numéro un de la planète. Ils prennent un livre qu'ils recopient ou une vidéo de Franck Nicolas, ils redisent la même chose, ils disent « c'est moi ». Sauf que renseignez-vous, tous les résultats que je vous propose d'obtenir, je les ai obtenus moi-même d'abord. La famille, je suis avec la même femme depuis septembre 2000 où on est mariés. Ça fait 21 ans qu'on est ensemble. J'ai deux enfants, j'ai quatre entreprises, je voyage à travers le monde. On remplit des salles de 7 à 10 000 personnes et on change des vies. Et aujourd'hui, parce que j'ai de l'argent, eh bien je redonne à d'autres de mon temps.
Et je vais vous dire un truc, surtout quelque chose qui est important. Et ça, c'est très important. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas redonner de ton temps. Si j'offre autant de mon temps, les amis, c'est parce que j'ai des employés qui travaillent pour moi. Parce que quand on est auto-entrepreneur ou un salarié, on n'a pas de temps pour soi. Pas autant de temps. Alors, je ne dis pas que c'est mal, mais je dis que c'est parce que j'ai maintenant des employés, de l'argent, que je peux redonner de mon temps à d'autres. Mais je suis aussi conscient que 99% des gens qui m'écoutent en ce moment ne passeront jamais à l'action. Vont se contenter de petites vidéos par-ci, par-là, mais vont revivre le même cauchemar pour cette année. Alors pour les 3% qui m'écoutent ou les 1% qui m'écoutent, on va dire 97% des gens qui m'écoutent en ce moment vont zapper dans une minute, ils vont m'oublier ou tous les conseils que je vais leur donner. Alors pour les 3% qui m'écoutent, cette année, agissez. Ne faites pas que bla 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 bla, agissez cette année, vous comprenez? Faites-le auprès du coach et du mentor que vous avez identifié, dont vous reconnaissez les valeurs, pas quelqu'un de parfait. Ne suivez pas 10 personnes sur YouTube parce que vous allez partir dans tous les sens. Il y en a un qui va te dire achète de l'immobilier, l'autre qui va te dire achète la bourse, perds du poids en faisant de la musculation, en faisant du fréquencé, du cardio, fais un système végétarien, vegan. Non, tu peux manger de la viande sans viande, tu peux aussi faire du keto sans keto. C'est infernal. Et sur le domaine du leadership et de la réussite ou de l'entrepreneuriat, choisissez un ou deux mentors, pas plus. Vous allez partir dans tous les sens, mais choisissez qui vous voulez cette année pour réussir, mais donnez-vous à 110%. Investissez-vous à 110%. Identifiez quelqu'un qui peut être un mentor pour vous, qui a des recettes, qui l'a déjà fait avant vous. Choisissez un coach, un mentor qui a déjà obtenu les résultats que vous attendez. C'est ça un bon mentor. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire « je suis numéro un de la planète ». C'est quelqu'un qui a déjà, avant tout, accompagné des milliers de personnes et qui a obtenu surtout dans sa propre vie, qui vit les valeurs que vous voulez vivre. Une fois que vous avez identifié cette personne, achetez ses livres, ses programmes audio, ses programmes vidéo, ses formations et formez-vous. Et venez vous nourrir à son contact. Parce que c'est ce que j'ai fait. C'est exactement ce que j'ai fait. Je ne crois pas que je pourrais vivre plusieurs semaines dans l'année au soleil, plusieurs fois dans l'année. Je fais des allers-retours d'ailleurs entre Montréal et la Floride tout l'hiver. Je fais des allers-retours parce que j'ai des entreprises. Et ne croyez pas que la vie d'un entrepreneur, c'est du soleil et des palmiers. Ne comptez pas sur moi pour vous mentir. Ah non, attendez, on ne se connaît peut-être pas. Je travaille 7 jours sur 7. Entre 70 heures et 90 heures par semaine, et j'inclus dans mes heures de travail mes séances de sport, puisque de rester en excellente condition physique comme un sportif de haut niveau, c'est un prérequis pour moi, puisque je dois assurer des événements dans le monde entier. Je fais environ une centaine d'événements chaque année. Je suis invité dans plusieurs conférences et séminaires privés sur lesquels je ne communique pas. Je communique plutôt sur nos événements à nous. Mais le jet lag, le décalage horaire, pour être dans un terme français, je sais ce que c'est. Et j'ai ma méthode aussi. Et quand je reste 40 heures sur une scène pendant 3 jours, oui, 40 heures en 3 jours, il me faut de l'énergie. Donc, dans mes 90 heures par semaine, je compte mes séances de sport. Évidemment, ça fait partie de mon métier. Et puis, évidemment, dans ce travail, je fais en sorte de pouvoir avoir une vie équilibrée avec mon couple, mes enfants, ma famille, mes proches, mes amis. Et comment je fais tout cela? Il y a des gens qui me disent « c'est quoi ta méthode ?» Ben, c'est l'agenda 110. Mais même mieux, vous avez le programme Starter qui va vous expliquer comment je gère mon année. Et cet agenda, il vous est offert cette année en Starter Platine. Et je vous l'ai dit une nouvelle fois, le dernier numéro de Franck Magazine, tout le monde va le recevoir gratuitement dès que vous vous inscrivez au programme Starter. Mais comment j'organise mes journées? Comment j'anticipe mon année? Eh bien, j'ai une méthode très simple. Qui est en 5 étapes. Pour réussir mon année, j'utilise 5 approches, 5 étapes. Et vous avez en 5 semaines, en 5 modules, je vous explique toute ma méthode pour réussir mon année. Comment je tiens mes résolutions,
comment j'arrive à la fois à être créatif, à me retrouver, à méditer, à faire du business, mes enfants, ma femme, mes amis, mes voyages, mes contraintes, ma liberté financière, mon investissement pour l'avenir, mes actifs. Comment je gère tout ça? Comment j'arrive à choisir mes collaborateurs, à m'entourer? Comment je suis parti de zéro? C'est le programme Starter. Comment je dépasse mes peurs? Comment j'augmente ma confiance en moi? Mais tu n'as pas confiance en toi une fois pour toute ta vie. C'est pas vrai. La confiance en soi se nourrit, s'entretient chaque jour. Pas juste pendant une heure. Quitte à laisser croire qu'on avait confiance en soi en une minute et c'est terminé. Mais je l'entretiens tous les jours, ma confiance en moi, tous les jours. C'est comme l'amour, le couple, c'est tous les jours. Pas juste quand on passe la bague au doigt une fois qu'on a ses gamins. C'est comme ses relations avec ses amis, c'est tous les jours. Tous les jours son corps, tous les jours sa santé, tous les jours. Et c'est ça le programme Starter cette année. Laissez-moi 5 semaines pour être à vos côtés, être votre mentor, votre coach et vous dévoiler la meilleure méthode pour réussir les 12 prochains mois. Prenez 5 semaines, faites un peu d'effort, prenez un peu de temps sur vous, investissez un peu d'argent. Il est vraiment donné ce programme, mais c'est un petit peu d'argent. Travaillez sur vous. Et à partir du moment où vous aurez cette obsession, parce que oui, vous devez rester obsessif sur votre réussite. Et je le dis souvent, d'ailleurs ça choque les gens, mais je leur dis vous devez être obsessif. Et les gens me disent « What ?» Je dis même mieux pour les choquer, je leur dis vous devez avoir des addictions. Quoi ? On doit avoir des addictions ? Oui, tu dois avoir des addictions. Et les gens me disent « Mais je ne comprends pas, comment ça des addictions ? » Oui, tu dois être addict. Mais tu peux pas être addict, enfin tu peux pas dire ça, tu es un coach. Tu peux pas te permettre de dire aux gens qu'ils doivent être addicts. Et je leur dis si, on est tous victimes d'addiction. Vous devez choisir votre addiction, la développer et l'entretenir. La plupart des gens ont des addictions à l'alcool, tabac, drogue, colère, nervosité, conflit. La plupart d'entre vous, vous avez en général et vous souffrez d'addiction. Mais qu'est-ce qui se passerait si vous mettiez autant d'énergie, de temps et d'amour et d'argent dans des addictions qui vous permettent de réussir votre année? Qu'est-ce qui se passerait si vous aviez des addictions qui vous permettaient d'avoir une addiction à vous donner à 110%, une addiction à faire la différence auprès des autres, une addiction à bien servir vos clients, une addiction à prendre soin de votre nourriture, une addiction à aimer les autres, à être rempli d'amour? La vie, c'est la vie, c'est l'amour. Sans amour, tout meurt. Et la plupart d'entre vous, vous ne savez pas comment entretenir cet amour de vous-même d'abord et ensuite des autres. Et c'est pour ça que le programme Starter cette année, ce programme de coaching de 5 semaines dont je vous parle, la première semaine, on travaille sur soi, sur nous. Qu'est-ce qu'on veut exactement? Tu ne peux pas aller dans un lieu si tu ne sais pas d'où tu pars. Je veux aller au point B, mais tu es où? Et c'est quoi ton point A à toi? Vous comprenez? Donc choisissez vos addictions, n'écoutez pas ce que disent la classe moyenne. C'est pas bien d'avoir des addictions, conneries. Conneries, c'est bien d'avoir des addictions. Mais des addictions qui vous amènent plus de bonheur, de santé, de bien-être. Et puis cette année, faites en sorte de pacifier vos relations avec vos clients, avec les autres, vos partenaires de travail, vos camarades de travail, vos patrons, vos employés. Vous perdez beaucoup de temps avec les autres. Gardez un focus, arrêtez d'être aussi curieux pour des conneries. Vous consacrez beaucoup plus d'énergie à vous adonner à ce jeu proposé par ces magazines People qui servent à rien. Il y a tellement de magazines qui se vendent pour quelques pièces et vous perdez des fois une demi-heure, une heure à les lire. Vous vous occupez de ce que disent les voisins. Et c'est pour ça qu'on a créé le premier magazine en leadership de la francophonie. Le premier magazine consacré à la croissance personnelle et au leadership. C'est le premier magazine consacré à la réussite. Parce que j'en avais assez d'avoir des gens qui lisent des bêtises. Si vous voulez prendre du temps, prenez du temps pour lire des choses utiles. Et celui-ci, lui, je vous l'offre. Vous prenez le programme Starter et je vous l'offre. Donc bravo en tout cas d'avoir noté dans les commentaires quel était votre projet cette année, quelle était votre principale résolution pour cette année. Félicitations, je suis très fier de vous. Eh bien, la résolution que vous avez notée, ne la lâchez pas. D'ailleurs, à propos, en parlant de partage, s'il vous plaît, tout le monde en ligne maintenant,
partager cette vidéo sur les médias sociaux. Les conseils que je vous donne gratuitement, l'inspiration, l'énergie, les astuces, le cap et la vision, il eût été intéressant que vous aussi, vous puissiez avoir cette générosité, ce cœur et cet amour de partager mes conseils à d'autres. Faites en sorte de redonner à d'autres ce que je vous offre gratuitement. Donc, cliquez sur « Partager » et mettez ça sur votre page Facebook ou YouTube ou Instagram ou IGTV. Partagez cette vidéo à d'autres. Et en plus, ça sera une belle façon de venir contribuer à faire grandir notre communauté consacrée au leadership et à l'entrepreneurship. Et je crois que vous êtes d'accord, sur YouTube, Facebook et Instagram, on a besoin de communautés comme la nôtre où on permet à des gens issus de plus de 60 pays dans le monde de se connecter autour de sujets, vous en conviendrez, beaucoup plus positifs et inspirants que l'actualité quotidienne. Et tous les jours, je regarde l'actualité et je peux vous dire que elle est vilaine. L'actualité, le journal de nouvelles, la télévision, les news, comme on dit, le journal de 20h ou le 18h ou le 17h, ça donne pas envie. Alors je crois que je compte aussi sur vous pour nous aider à faire grandir notre communauté. Allez sur ma page Instagram, suivez-nous. Allez sur notre chaîne YouTube, suivez-nous. Sur Facebook, quel que soit le lieu où vous nous suivez, suivez-nous. Et partagez aussi, redonnez à d'autres. D'accord ? Donc, j'aimerais maintenant, si vous l'acceptez, si vous le voulez, répondre à vos questions. Est-ce que vous avez des questions à me poser sur le programme Starter, par exemple ? De quoi s'agit-il ? Où est-ce qu'on peut s'inscrire ? De quoi vous avez besoin ? Pour celles et ceux qui veulent passer au niveau supérieur, posez-moi vos questions. Et alors je ne dis pas que je vais à 110% vous satisfaire. Hein. J'espère que je vais vous aider. Mais posez-moi vos questions et très modestement et surtout de façon très naturelle. J'aime beaucoup les lives parce que ça nous permet de connecter ensemble et ça vous permet de mieux me connaître aussi. Donc, je vous rappelle, pendant que je vois les questions, allez-y sur Frank Magazine. Aujourd'hui, Frank Magazine, neurosciences, leçons de couple. Dossier spécial, argent, patrimoine et énergie. Ce magazine, croyez-moi, vous voulez le lire et le relire comme la plupart des gens le lisent en ce moment. 120 pages de bonheur, comme je dis en ce moment. Allez, posez-moi une question. Et si vous n'avez pas de question, je vais vous laisser tranquille. Et je sais qu'il y a toujours un petit délai au moment où je vous pose la question et au moment où je peux les lire. Alors, prenez le programme Starter, c'est 5 semaines absolument. Le programme Starter, c'est sur 5 semaines et vous y avez accès pendant 3 mois. C'est en ce moment. Le programme Starter, Chali, va vous aider à augmenter considérablement vos résultats. Comment est-ce qu'on augmente ses ventes ? Ce n'est pas un programme qui va t'apprendre, Chali, à vendre. D'accord ? Le programme Starter n'est pas un programme qui va te donner des stratégies pour vendre et faire du marketing. Chali, si tu veux faire un programme sur la vente et le marketing, ça s'appelle le programme 110.com. C'est chaque mois et c'est sur plusieurs années. Programme 110.com, Chali. Et lui va t'apprendre à faire du marketing et de la vente. Mais mieux, Chali, si vous êtes entrepreneur, les amis, j'ai un message pour vous. J'organise un séminaire que pour les entrepreneurs. Que pour les entrepreneurs en juin prochain. Les 25, 26 et 27 juin prochain. À Paris exclusivement. 3 jours, c'est 10 000 euros le billet. 15 000 dollars le billet pour les 3 jours de formation. Donc, c'est uniquement pour les gens qui ont des entreprises. D'accord ? Donc, Chali, le programme Starter doit être fait par tous les entrepreneurs en ce moment. Et moi, je le refais chaque année. Tu vois, Chali, le programme Starter, c'est un programme qui te permet de paramétrer ton année, de savoir dans quelle direction tu vas aller, résolution et réussir à planifier son année. Donc, c'est uniquement des fondations essentielles avant d'apprendre quoi que ce soit. Donc, même si tu fais un programme de vente ou de marketing, fais le programme Starter, Chali, qui va te permettre d'augmenter considérablement ton gain de temps, ta productivité et arrêter de gérer la toxicité des gens et de te fixer des objectifs bien précis, des cibles. Et donc, par voie de conséquence, une nouvelle fois, tu vas gagner de l'argent. Le programme Starter, c'est 297 €, 297 $, 5 semaines de coaching et vous pouvez payer et régler en 2 fois si vous le souhaitez. Donc, vous comprenez que le prix est donné. Mais de demander le prix de ce programme sans avoir vu de quoi il s'agissait, la plupart d'entre vous, quand vous demandez le prix avant de savoir de quoi ça parle, ça démontre à quel point vous êtes très peu motivé pour aller plus loin. Mais c'est un problème de coaching qui est donné, absolument. Ce
Sans Risa, non, avec le programme Starter, tu n'auras pas le programme, tu n'auras pas le Franck Magazine en version papier. Tu l'auras en version PDF. Tu peux, dans ce cas-là, le commander, l'acheter en version papier. Audrey, tu es inscrite au programme Starter que tu as débuté. Félicitations, bravo. Et j'ai utilisé un agenda. Moi, je te recommande... Ah non, tu demandes si tu utilises exactement cet agenda. Moi, je dirais que je te recommande d'utiliser l'agenda 110, Audrey, pour rester dans le même environnement et la même méthode. Parce que dans le programme Starter, je t'aide à développer, à enrichir ton année et à organiser ton année. Mais évidemment, dans Starter, il y a beaucoup de méthodologies de l'agenda 110. Donc, si tu veux rester en cohésion, en congruence avec ce que tu apprends dans Starter, et félicitations, tu fais partie des milliers d'étudiants cette année, Audrey, je te recommande vraiment plutôt d'utiliser l'agenda 110 que tu vas adorer. Et il y a un programme de 2 000 € de gestion du temps qui est offert avec l'agenda 110. Guillaume, absolument, si tu ne sais pas exactement ce que tu veux cette année, le programme Starter, dès la première semaine, Hugo Chevalier t'aide à choisir ton année, à planifier ton année. Donc la réponse absolument est oui si tu veux développer ta carrière et tes affaires cette année et savoir où est-ce que tu en es, ton point, le point A, le fameux point A dont je parlais pour aller au point B, absolument, le Starter va t'aider. Je te le garantis. Alors je vais voir, là je vois qu'il y avait beaucoup de messages que j'ai laissé passer, désolé. Voilà. Absolument Bernard, le programme Starter est disponible en Suisse. Bernard, tu vas sur programmestarter.com, programmestarter.com, tout attaché en minuscule. Et tu peux faire le programme Starter en Suisse, en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique du Nord où je suis ici à Miami, puisque c'est un programme sur Internet, accessible de tout ordinateur, tablette numérique, téléphone, et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant 3 mois. Et la durée du programme est de 5 semaines. Donc oui, en Suisse, tu n'auras pas de problème. L'agenda 110, tu peux l'avoir, Mocha, sur agenda110.com, 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 agenda110.com. Micheline qui dit, l'agenda 110 est top, j'en ai offert un à ma nièce. Un cadeau utile. Quel était le prénom de cette leader? Micheline Pouvreau. Bravo pour Micheline. Enfin, quelqu'un qui offre autre chose qu'une bêtise. Bravo Florence pour l'agenda 110, tu vas te régaler. En Algérie, Baya, c'est disponible aussi évidemment. Tu vas sur agenda110.com et tu le reçois en Algérie. Ou le programme 110, tu peux le commander directement en ligne. Si vous avez d'autres questions, dites-le moi. Argent, affaires, carrière, relations. J'avais prévu de vous accorder un petit peu de temps aujourd'hui. GRG, tu viens de le prendre, le programme Starter. Résolution! C'est pas révolution, c'est résolution! Bravo, félicitations. C'est un tout petit investissement, honnêtement, le programme Starter, mais les bénéfices seront très grands, croyez-moi. Et un programme de coaching avec ce niveau d'investissement minuscule d'une durée de 5 semaines, je veux juste vous rappeler que c'est donné. Quand vous verrez le contenu et les résultats, vous verrez que c'est donné. Si vous ne mettez jamais d'argent dans la formation, c'est parce que vous ne croyez plus en vous, c'est parce que vous n'avez plus l'habitude de travailler sur vous. Vous avez plus le réflexe de vous plaindre et d'être victime, mais vous avez moins le réflexe de faire des efforts sur le fait de travailler sur vous et de travailler fort. Et Starter va vous remettre le pied à l'étrier. C'est un beau programme pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de la formation, qui se sont un peu délaissées cette année. Et c'est chouette Starter parce que c'est beaucoup sur le principe des questions. Et quelqu'un qui est puissant au niveau du coaching ou de la réflexion, puisque c'est une question de questions-réponses, va mettre des réponses très fortes, très profondes. Donc Starter est vraiment adapté à tout le monde, vraiment à tout le monde. Étudiant, 14, 15 ans, 11 ans, jusqu'à 77 ans, il n'y a aucun problème. Besoin pour le management, oui Florence, je crois que ça sera utile. Voilà, parfait. J'ai répondu à toutes les questions. J'ai maintenant une annonce à faire. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure. Uniquement maintenant, si vous n'êtes pas entrepreneur, vous pouvez quitter ce live.
Si vous n'êtes pas entrepreneur, quittez s'il vous plaît cette vidéo maintenant. J'ai vraiment fait une annonce pour le grand public, pour tout le monde, entrepreneur, leader. C'était vraiment pour tout le monde. Maintenant, j'ai une annonce que pour les entrepreneurs. Et ce que je vais dire va vous choquer. Donc, si vous n'êtes pas entrepreneur, je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine. Venez nous rejoindre dans le programme starter.com pour réussir votre année. D'ailleurs, que vous soyez entrepreneur ou pas, salarié ou pas, sans emploi ou avec emploi, étudiant ou pas, venez dans le programme starter.com, cliquez sur le lien, allez sur programmestarter.com. Maintenant, j'aimerais m'adresser uniquement aux entrepreneurs. Tout le monde, s'il vous plaît, on dit au revoir à tout le monde. Ça y est, c'est fini pour moi aujourd'hui la conférence. J'ai uniquement un message pour les entrepreneurs. Donc, s'il vous plaît, quittez ce live. Quittez ce live, les amis. Qui je suis Franck Nicolas, fondateur de Globe, qui est une entreprise de coaching et de formation. J'ai édité plusieurs programmes best-sellers audio, vidéo et livres pour vivre votre vie, vos affaires et votre carrière. J'aide les leaders et les entrepreneurs à développer leur carrière, leurs affaires. Et j'interviens dans le monde entier. Je suis conférencier international et coach numéro 1 en leadership et entrepreneurship. On est en direct de Miami. Et ceci est un message que pour les entrepreneurs. S'il vous plaît, quittez ce live. La plupart des gens ne pourraient pas comprendre ce que je vais dire, ce que je vais annoncer maintenant. Donc surtout, faites en sorte de penser à cela. Ils sont géniaux, ces enfants. C'est des enfants qui sont juste derrière, tu vois, ils sont juste derrière et puis ils rient comme ça, ils passent devant la caméra, c'est génial. Et c'est cette chaleur humaine, cette chaleur d'enfant que l'on veut garder toute l'année. Il y a beaucoup de gens qui me disent d'ailleurs, pendant que tous nos amis qui ne sont pas entrepreneurs quittent ce live, il y a beaucoup de gens qui me disent, Franck, t'es un vrai gamin. Et je dis, oui, c'est vrai, j'ai ce cœur d'enfant et qui me permet à moi aussi d'apprendre considérablement. Je fais finalement de l'apprentissage un jeu. Et voilà pourquoi, quand je parle du programme Starter auprès du grand public notamment, et tous les principales personnes qui achètent les formations sont des auto-entrepreneurs qui ont compris que le degré de connaissance qu'ils ont donnera un degré de leadership et de connaissance de soi. Voilà, allez, on va les laisser passer. Oh yeah! À partir du moment où vous comprenez que c'est votre tête qui va vous permettre de vous en sortir, eh bien, vous avez gagné la partie. Et les entrepreneurs ne peuvent pas se mentir. Ils savent qu'un entrepreneur sait très bien que si, par exemple, il ne prend pas soin de lui, il ne pourra pas dire que c'est la faute de l'État. S'il n'arrive pas à vendre, c'est de sa faute. Alors qu'un salarié va moins comprendre qu'il doit se former toute l'année à ses propres frais. La plupart des salariés vont dire, si mon patron ne me paye pas cette formation en anglais, par exemple, ben, je ne la ferai pas. La problématique, c'est que si vous ne faites pas de formation toute l'année, ce n'est pas votre patron qui va être pénalisé, c'est vous. Parce que c'est à vous de gérer votre carrière. Et ça, un entrepreneur, un leader, on va avoir des comportements un peu différents. Et surtout, je dirais, les employés d'entreprise font cette erreur de ne pas savoir gérer leur carrière. Et c'est un petit peu ça qui est dommage. Voilà, voilà pourquoi je tente de dire à la plupart des gens qui sont salariés ou étudiants, ce n'est pas votre patron de gérer votre carrière, c'est à vous. Parce que la formation que vous allez vous offrir, elle vous permettra de changer de travail, d'augmenter votre compétence au travail, d'augmenter votre salaire, d'avoir plus de choix de temps libre et de disponibilité. En tout cas, de choisir là où vous voulez vivre. Et ce choix-là vous permettre d'aller plus loin dans votre carrière et dans vos affaires. Et peu de salariés comprennent ça. Ils mettent la plupart du temps leur argent dans des vêtements, des appareils électroniques, la nourriture, le divertissement, les soirées, les sorties. Et la plupart d'entre eux n'arrivent plus à vivre. À la fin, moi je le vois avec certains de mes... Et là je m'adresse qu'à des entrepreneurs qui ont peut-être des salariés, mais je le vois avec mes collaborateurs. Alors un peu moins dans mes entreprises parce qu'ils me connaissent. Mais ça m'arrive encore d'avoir des collaborateurs qui disent qu'à la fin du mois, ils n'ont pas d'argent alors que je les ai augmentés de 25%. Mais ils n'ont pas d'argent. En fait, ils ont augmenté leur niveau de vie au lieu d'économiser. Et dans mes entreprises, notamment chez Globe, tu vois, toi qui es entrepreneur et qui m'écoute, je fais vraiment en sorte d'encourager la formation. Et là, beaucoup de gens me disent, mais comment tu arrives à remercier quelqu'un, à virer quelqu'un ou à sentir qu'une personne va partir? Eh bien, c'est à son absence de curiosité. Dès qu'un employé n'est plus créatif et ne se forme plus lui-même, n'a plus en clair de plaisir à se former, il va partir ou il est temps de l'inviter à partir. Et à partir du moment où vous comprenez que
Si une personne arrête de se former et d'apprendre, elle est en train de mourir dans son domaine de compétences ou de stagner, mais la stagnation n'existe pas, donc elle est en train de chuter. Là, vous saurez mieux identifier les hauts potentiels, les gens à garder dans votre entreprise et les gens à remercier. Voilà pourquoi je dis, vous le voyez, toute l'année, on forme beaucoup d'employés d'entreprise et d'étudiants, moins proportionnellement à des solopreneurs, parce que ce sont des gens, une nouvelle fois, qui n'ont pas conscience de l'immense potentiel qu'ils ont et qui ne voient pas l'intérêt de se former. Ils ont l'impression d'être complètement prisonniers et ils préfèrent mettre leur argent, leur peu d'argent, ça dépend des emplois, mais leur peu d'argent dans des futilités parce qu'ils ont un besoin immédiat de plaisir, de sortir de cette galère, de besoin de s'oxygéner. Mais malheureusement, à court terme, ça fonctionne l'oxygénation, comme de rompre une diète ou de manger un gâteau alors que tu es au régime. Ou tu as envie de passer la nuit avec cet homme ou cette femme, tu es marié et tu fous en l'air ton mariage, tu as eu du plaisir pendant une heure, deux heures, une nuit, et ensuite qu'est-ce qui va se passer? Tu as mangé maintenant cette connerie, et ensuite qu'est-ce qui va se passer? Le plaisir immédiat. Et la plupart des gens sont dans le plaisir immédiat. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Et voilà pourquoi j'ai créé le programme Starter pour les entrepreneurs et pour les employés. Mais Starter, c'est 297 euros ou dollars. Et ils peuvent régler en deux fois. Une fois maintenant, une fois dans 30 jours. C'est-à-dire quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Les gens ne voient plus l'intérêt de se former. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné. Ils n'ont même plus le sentiment qu'ils pourront faire la différence. À quoi bon me former? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Ils ne voient pas le lien et la différence qu'il y a entre le fait de se former et les résultats qu'on obtient dans sa vie. Et c'est à ça que vous devez penser. C'est, si je me forme aujourd'hui, quels seront mes résultats demain? Qu'est-ce que ça va m'amener demain? Et beaucoup de gens ne font pas le lien entre la formation, le fait de se former, et les résultats. Ils pensent que c'est uniquement le choix de leur premier ministre, de leur président, de leur reine d'Angleterre, j'en sais rien. Mais ça ne vient pas d'eux. S'ils n'ont pas d'argent aujourd'hui, ça ne vient pas de nous. Je travaille très fort. Oui, mais s'il suffisait de travailler pour réussir, ça serait. Mon grand-père a travaillé comme un fou. Mon père qui est vivant, qui a 77 ans, et c'est bien que moi maintenant, je puisse avoir de l'argent. Avoir de l'argent, ça sert à ça. Il y a des gens qui disent l'argent n'est pas important, mais tu n'as pas pensé à tes enfants, tu n'as pas pensé à ta femme, à ton mari, à tes parents qui vieillissent. Si pour toi, gagner de l'argent, ce n'est pas important, gagne-le pour les gens que tu aimes. Si pour toi l'argent n'est vraiment pas important, redonne-le à des gens pour qui c'est important. Donc c'est de la connerie quand vous entendez l'argent c'est pas important. Ça sert à redonner, à aider nos proches, nos enfants. Moi l'école à Montréal est très chère. Je mets deux ados qui ont un appareil dentaire, ça m'a coûté 20 000. Je ne sais pas si dans votre pays c'est remboursé en partie ou pas les appareils dentaires, mais pas chez nous au Canada. Ça m'a coûté 20 000 dollars les appareils dentaires de mes gamins. Mais ils n'auront pas les dents tordues, donc un manque de confiance en eux. Et c'est un cadeau que je dois leur faire. C'est pas parce que moi j'ai galéré dans ma jeunesse qu'ils doivent galérer dans la leur. Oh ben moi j'ai galéré, t'as qu'à te débrouiller tout seul, toi. Les gens qui vous disent que l'argent c'est pas important vont réagir comme ça avec leurs proches. Ils seront radins, pas généreux. Ils vont pas les aider plus. Ils vont pas leur dire oui, je comprends, je vais tout faire. Papa va travailler très fort pour te permettre de t'en sortir. La plupart du temps, c'est très vilain. C'est étrange. Donc, voilà à quoi ça sert l'argent. Et mon père, il a travaillé toute sa vie, il fait de l'emphysème maintenant. Et c'est vrai que pour respirer, le pauvre, il a de plus en plus de mal. Et il a 77 ans, il n'est pas au début de sa vie, il est malade évidemment. Et ça me fait beaucoup de peine, vous le voyez. Mais il a travaillé comme un fou, mon père, toute sa vie. Mais sans gagner quoi que ce soit. Il n'a pas gagné grand-chose. Vous comprenez? Et sans gagner grand-chose, ça va être compliqué pour lui. Ça va être vraiment compliqué. Alors, je dirais que c'est ça le projet. C'est de expliquer aux gens qui vous entourent de ne jamais cesser l'apprentissage. Apprenez. Parce que si l'apprentissage est parfois inconfortable, le fait de manquer d'argent, de subir sa carrière, d'être mal dans sa peau, ben c'est encore plus inconfortable. Et c'est très dommage parce que 99% des gens ne sont pas malades, ne sont pas cassés, il n'y a pas de pathologie. C'est juste des petits twists à changer, oups.
Il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut simplement que les gens se posent des bonnes questions et se forment avec les bons outils. Et c'est ça que vous devez faire. Donc, encouragez tous vos collaborateurs, vous, entrepreneurs, encouragez-les à se former. Et chez Globe, cette entreprise, où vous voyez cette vidéo, forme nos collaborateurs plusieurs fois par semaine, en permanence. Ça peut être par téléphone, des conseils, du mentorat, du coaching, des conseils, des courriels, des vidéos. La formation. Mais je vous le dis, entrepreneur, vous pourrez voir si un employé est motivé dans sa mission, s'il continue de se former, notamment seul. S'il ne vous amène plus aucune idée, et ça, je vous en parlerai dans Business 110, le bootcamp, en juin prochain, et je vais vous en parler maintenant, mais que pour les entrepreneurs. J'espère que tout le monde est parti maintenant et qu'il ne reste que des entrepreneurs. Mais la formation est essentielle. Voilà. Bon, allez, dites-moi, est-ce que tout le monde est en ligne maintenant? Si vous êtes entrepreneur, dites moi. Il y aura forcément des gens curieux qui veulent savoir ce que je vais dire aux entrepreneurs, mais c'était déjà un message pour vous, les entrepreneurs. Est-ce que vous êtes entrepreneur en ce moment? Est-ce qu'il y a en ligne des entrepreneurs? Dites-moi vite, allez. Dites-moi, vous marquez moi. Parfait, très bien. Pour les entrepreneurs, et je vais finir cette vidéo, Marius, ami de Villiers, toutes celles et ceux qui sont entrepreneurs, écoutez-moi bien, réservez cette date, Mathieu, Conan aussi, Nicole, gardez toutes ces dates, vous les entrepreneurs, Michael, notez un papier et un crayon tout de suite, retenez cette date, 25, 26, 27 juin, juin prochain, Paris, 25, 26, 27 juin, Carole, Sabrina, tous les entrepreneurs en ce moment, Sébastien, 25, 26 et 27 juin, les amis, faites donc, notez cela dans tous vos agendas, les amis, c'est les 25, 26 et 27 juin, je serai à Paris, 3 jours à Paris, uniquement pour les entrepreneurs, je fais un séminaire et uniquement 3 jours. Ça va les gars? Bon, très bien. C'est un 3 jours uniquement à Paris pour les entrepreneurs. 25, 26, 27 juin. Vous êtes en profession libérale, vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes solopreneur, dans le métier du service, manufacturier, MLM, quelle que soit votre industrie, coaching de la formation, industrie du conseil, du coaching, peu importe, quel que soit votre domaine, notez cette date, 25, 26, 27 juin. 25, 26, 27 juin, uniquement à Paris, uniquement à Paris. Je fais un séminaire de 3 jours que pour les entrepreneurs. On va parler de vente, de marketing et de développement d'affaires, uniquement. Vente, marketing, développement de business. Vente, marketing, développement de business. Laissez-moi vous amener de 100 000 à 1 million, de 1 million à 2 millions. De 2 millions à 20 millions, de 20 millions à 100 millions. Laissez-moi vous aider à augmenter vos revenus considérablement. Voici ma promesse. À la suite de ces 3 jours, vous allez augmenter de 30 à 150% votre chiffre d'affaires dans les moins de 24 mois. Pendant ces 3 jours, suite à ces 3 jours avec mes invités, où on va parler de vente, de marketing et de développement business, principalement pour les petites entreprises de moins de 50 salariés ou les auto-entrepreneurs. On va parler de vente, de marketing et de développement d'affaires. Vous allez augmenter jusqu'à 150% votre chiffre d'affaires juste à la fin de cette formation dans les moins de 24 mois. Et si à la fin de la première journée, vous n'avez pas le sentiment, si à la fin de la première journée, déjà tous les entrepreneurs, faites le programme Starter. Le grand public ne comprend pas bien. Beaucoup de gens dans le grand public ne comprennent pas l'importance et la puissance du programme Starter. Je vous l'ai dit, les gens ne veulent pas mettre d'argent dans de la formation et dans un an, ils seront dans la même situation. Depuis 25 ans, je le sais, je le vois, mais je ne me décourage pas, je veux les inspirer comme je peux. Je veux aider les gens. Mais si vraiment je veux les aider, il faut qu'ils viennent dans ce programme Starter. Donc tous les entrepreneurs, allez sur programmestarter.com, 297 € c'est donné pour 5 semaines. La formation dont je vous parle en juin, ça s'appelle Business 110 le Bootcamp. Vous allez simplement sur mon site internet dans la rubrique événements, globe.cc, événements, Business 110 le Bootcamp. Si à la fin de la première journée,
si à la fin de la première journée, vous n'avez pas le sentiment d'en avoir pour 1 million d'euros de valeur, de chiffre d'affaires, juste à la fin de la première journée, c'est avec tout ce que je vais vous dévoiler comme secret, comme étape, pour augmenter votre chiffre d'affaires. Si vous n'avez pas le sentiment de pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires d'1 million d'euros ou de dollars, juste à la fin de la première journée de formation, vous allez au fond de la salle et vous demandez le remboursement intégral de votre billet. On vous remboursera dans les 3 à 5 jours sur votre carte de crédit. C'est aussi simple que ça. Business 110, le bootcamp, allez voir cette formation, prenez vos billets et investissez dans votre business, mes amis. Pour les entrepreneurs, ça c'est uniquement vente, marketing et développement d'affaires, d'accord ? Que pour les entrepreneurs. Pour les entrepreneurs et pour le grand public, juin c'est vente marketing. Mais en avril, je reviens à Paris et en mars, je resterai chez moi à Montréal, mars à Montréal et avril à Paris. On ne va pas travailler vente et marketing, on va travailler notre psychologie avec le Weekend Spark, Wes. Je serai en mars à Montréal, les 27 au 29 mars, et à Paris du 17 au 19 avril à Paris. Donc mi-avril à Paris, fin mars à Montréal. On va travailler dans un séminaire qui dure lui aussi 3 jours, qui est lui que, pas que pour les entrepreneurs, mais pour tout le monde. Et lui, c'est pour travailler sur sa psychologie de gladiateur, pour ne jamais abandonner. 97% des entreprises ferment leurs portes en 10 ans. La principale raison, c'est un problème de psychologie, de persévérance, de croyance, d'organisation et de clarté d'esprit. En clair, la principale raison pour laquelle les entreprises ferment leurs portes, et notamment les petites entreprises, c'est pour des raisons de psychologie et de connaissance de soi, quoi déléguer, à qui et comment. Les peurs, les prises de décision hésitantes. Voilà pourquoi je vous invite à faire tout le monde. Je reviens en mars à Montréal, du 27 au 29 mars à Montréal et du 17 au 19 avril à Paris, le Weekend Spark, ça s'appelle le WES. Vous serez en salle pendant 3 jours avec moi, en immersion complète, explosif avec mes invités de haut prestige international et entouré de milliers de participants comme vous. Pour faire du réseautage, les entrepreneurs ou vous salariés, pour rencontrer des gens issus de 50 pays, ne manquez pas ce Weekend Spark. Donc retenez bien en ce moment le programme Starter pour tout le monde, avec un prix minuscule, 5 semaines pour vous préparer à l'année. Première étape, Starter. Étape numéro 1, pour tout le monde, Starter. Étape numéro 2, l'événement à Paris et à Montréal, le Weekend Spark. 3 jours, la psychologie de leadership, de réussite. Et troisième rendez-vous que pour les entrepreneurs, et là il n'y a que des entrepreneurs qui doivent m'écouter en ce moment. Troisième point, uniquement pour les entrepreneurs, c'est en juin prochain, les 25, 26 et 27 juin à Paris. Et je vais vous dévoiler tous mes secrets de vente et de marketing. Et vous verrez que l'on peut vendre de façon très humaine, très respectueuse, avec de belles valeurs. Vous allez voir que l'on peut gagner de l'argent et aider les autres. Aider les autres et très bien gagner sa vie. Que l'on peut gagner de l'argent, être entrepreneur et avoir une vraie mission de vie. Avec des programmes dont on peut être vraiment fier et qui aident considérablement les autres. Vous allez voir avec moi que la vente et le marketing de ces années 80, issues de manipulation comme c'est pas possible, va vous épanouir comme c'est pas possible. Et puisqu'on parlait d'argent, parce qu'on ne peut pas créer des emplois si on n'a pas d'argent, vous le comprenez, le grand public, lui, a tendance à diaboliser les entrepreneurs. Ils ne savent pas que la plupart des auto-entrepreneurs gagnent parfois moins qu'eux. Ça demande d'avoir un esprit de gladiateur. C'est ça que je vais vous apprendre à Wes, notamment, de comment avoir un esprit de gladiateur. Mais ça demande d'avoir un esprit de gladiateur pour lancer une entreprise ou développer son entreprise. Ça, le grand public ne le sait pas. Et ça demande encore plus de courage d'embaucher des gens. Parce que c'est source d'emmerdes. D'avoir des employés, c'est que des emmerdes. Ils ont toujours mal au cul, toujours mal quelque part. Et il faut vraiment aimer les gens pour les comprendre et pour les aimer. Et pour comprendre qu'à ce moment-là, ce n'est pas le mal au cul. C'est qu'il y a du vague à l'âme dans le couple. Il faut laisser un petit peu de lest, il faut laisser un petit peu aller. Et que une petite tape dans l'épaule. Et que, vous comprenez ? C'est très dur d'avoir des employés. Ça demande d'avoir un feu sacré, d'être un grand gladiateur, une personne déraisonnable. Et ensuite, vous pouvez redonner à d'autres. Mais ça vous demande de l'argent pour bien payer les gens. Parce que quand vous allez embaucher des gens, ça va être des familles qui vont compter sur vous. Moi, j'ai 300 collaborateurs, 300 employés. Ça fait plus
plus de 1500 personnes qui comptent sur moi. Donc ça demande de l'argent. Et ce que verra le grand public, c'est que l'argent est négatif, c'est que dans sa poche, c'est que... Mais l'État va prendre 55-60% de ce que tu vas gagner sur tes impôts personnels et par-dessus l'entreprise et par-dessus les salaires et les taxes et les charges. Et en France, vous avez 40% de charges en France. Au Canada, c'est 19%. Grosso modo, si vous voulez. Donc, il faut avoir le feu sacré pour créer des emplois. Mais à la fois, vous ne pouvez pas développer votre business sans collaborateurs. Moi, j'ai besoin de travailler avec des gens. Donc, ça vous demande de renforcer votre psychologie, starter, d'avoir du leadership pour inspirer les autres et de savoir vendre et faire du marketing pour augmenter vos revenus et pour aider plus de gens. Parce que plus vous avez de clients, plus vous êtes utile. Starter, c'est des dizaines de milliers de personnes chaque année qui viennent dans ce programme. Pour 300 $, 300 €, les gens, 5 semaines, ils comprennent que c'est pas cher. Et j'aide du coup des milliers de personnes chaque année. Ben, je me rends utile. Donc plus mon entreprise va faire des produits qui répondent à de vraies demandes, qui aident vraiment les gens, et plus je vais être utile. Et c'est ça l'entrepreneuriat, c'est de changer le monde. Il y a des gens qui disent « Oui, mais tu demandes de l'argent. » Alors là, je ne comprends pas. C'est cette mentalité de la société, notamment européenne. C'est-à-dire que parce que le pompier est payé, il n'est pas gentil. Parce que le médecin est payé, il n'est pas compétent. Vous devez entendre surtout « Je ne sais pas comment gagner de l'argent. » Je galère et je souffre dans ma vie et je m'en prends à toi parce que c'est plus simple. Donc entrepreneur, ça demande un vrai mental de gladiateur. Plus que pour ces personnes qui ne font rien au chômage, notamment depuis 5 ans ou RMI depuis 10 ans ou ces gens qui abandonnent dans d'autres domaines de leur couple ou de leur santé. Alors voyez, l'entrepreneuriat, c'est, je suis tombé dedans tout petit. Dès l'âge de 11 ans, j'ai commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat parce que je vendais sur des marchés aux puces. Je n'avais pas d'entreprise. Hein. Je vendais sur les marchés aux puces des objets que je récupérais le samedi. Je vendais le marché aux puces à l'âge de 11 ans, à 6h du matin, place des Carmes à Avignon. Et c'est comme ça que j'ai mis un pied dans l'entrepreneuriat. Mais toute ma vie, très vite, j'ai eu des employés et j'ai vu à quel point on pouvait changer le monde ensemble. Donc si vous êtes entrepreneur, d'abord félicitations. Je suis très fier de vous parce que même si le grand public va continuer à faire ses défilés de pancartes avec ses syndicats, la plupart des gens oublient que 90% des emplois sont proposés par des petites entreprises. Accessoirement, tu vois, c'est pas juste toutes ces entreprises Amazon, Google qui sont à Dublin, en Irlande, dans les paradis fiscaux. Non, non, ce sont les petites entreprises comme nous, des petits trous du cul qui payent leurs impôts énormément et qui sont les plus généreux. Nous, le Weekend Spark, par exemple, en ce moment, vous achetez un billet, je vous offre le deuxième. Dans une grande entreprise, va chez Apple et demande-leur un billet, un iPhone, achetez un iPhone offert. Plus les entreprises sont grosses et moins elles sont généreuses. Et c'est ça que... Alors, le grand public, on ne va pas changer son état d'esprit, enfin, une grande partie, mais nous, les entrepreneurs, on peut changer le monde. Et le vrai pouvoir, il est entre les mains des entrepreneurs. C'est le pouvoir économique. C'est nous qui créons des emplois, mes amis. 100 par-ci, 50 par-là, 3 par-là, 500 par-là. 500, c'est déjà gros, mais vous comprenez? C'est ça, les entrepreneurs. C'est à vous de changer le monde. N'abandonnez pas. La plupart d'entre vous, vous avez votre bureau à la maison et vous avez choisi ce métier pour avoir plus de liberté, vivre de votre passion. Et ça devient un enfer parce que vous ne savez pas gagner de l'argent. Et sans argent, tu ne peux pas déléguer, tu ne peux pas avoir des sous-traitants, des pigistes ou des employés. N'écoute pas le grand public qui banalise ou qui satanise l'argent. L'argent n'est qu'un outil. Et pour être vraiment contre, vous avez vu les gens, je l'ai dit tout à l'heure dans la conférence grand public dans cette vidéo. Vous avez vu les SDF, comment ils sont vus? Ils sont rejetés. Ils ne sont pas appréciés. Ils ne sont pas respectés. Ne cherche pas à être pauvre. Vraiment, ne t'abuse pas à être pauvre pour plaire aux autres. Surtout, fais pas ça. Ne tente pas d'être pauvre pour plaire à tout le monde ou de cesser de gagner de l'argent pour ne pas faire de l'ombre aux autres. Fais pas ça. Fais pas ça. Hein. Quoi que tu fasses, tu seras rejeté quand tu seras différent. Et ce que font les gens, c'est qu'ils rejoignent la masse, la classe moyenne, pour avoir comme tout le monde, mais pas plus, comme tout le monde, les mêmes réflexes. Et c'est terrible. Et voilà pourquoi j'offre 80% de mes contenus gratuits et que cette conférence qui est que pour les entrepreneurs maintenant, elle est accessible à tout le monde. Pour que tout le monde réalise. Ils pensent être libres, ils ne le sont pas. Ils pensent qu'ils sont sortis de la boîte, ils pensent dans la boîte.
Ils pensent qu'il faut faire attention à la manipulation, mais ils sont dans la manipulation. Ils sont la manipulation eux-mêmes. Le métro-boulot-dodo, il n'y a rien de plus qui va tuer quelqu'un s'il n'y a pas de sens dans un travail, pas de réflexion. Si les gens vivent comme des poules sans tête, ça va donner des gens déçus. Et quelqu'un qui est déçu va être vilain avec les autres. Je ne connais aucun être humain qui soit méchant avec quelqu'un qui est heureux dans sa vie. Qui soit heureux dans sa vie. Quand on est heureux dans sa vie, on n'est pas méchant avec les autres. Quand on gagne de l'argent, quand on a plein d'énergie, on redonne de l'énergie aux autres. Quand on a de l'argent, on redonne de l'argent aux autres. J'aurais aimé, moi, à l'âge de 11 ans, avoir un mec comme ça qui me parle sur un téléphone gratuit, une vidéo comme ça, ou un mec comme moi qui offre 500 heures à l'année. Et je ne suis pas Bill Gates, mais je ne suis pas persuadé que Bill Gates ait été inutile. Il contribue à beaucoup de causes. Alors lui, son truc, ce n'est pas de parler devant des caméras, de faire des formations et du coaching. Mais et regardez bien, tous les grands leaders reversent beaucoup d'argent à des œuvres de charité. Mais non, le grand public ne verra que le côté malsain de ces gens riches. Et ne cherchez pas à combattre ça. Faites votre route. Si vous saviez comme je m'isole, si vous saviez comme je fais attention aux gens que je rencontre, comme je filtre les informations qui passent par ma tête, vous tomberiez à la renverse. Les gens qui ne me connaissent pas ne peuvent pas comprendre à quel point je vis dans ma bulle et je crée ma bulle. Je ne veux plus rencontrer de gens toxiques, négatifs. Je ne veux plus me laisser distraire par des sites internet à la con. Je ne veux plus savoir ce que font mes concurrents, ce que font... J'ai pas le temps pour ça. Je protège mon mental. Comme un diabétique va faire attention à pas boire du sucre ou manger du sucre dans un café et se tromper de café et mourir, quoi. Il fait attention à ce qu'il met dans la bouche, un diabétique. Et moi, c'est pareil. Je fais attention à ce que je mets dans la tête. Donc, entrepreneur, je ne veux pas vous le répéter 20 fois, il y a un séminaire de 3 jours. Tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, vente, marketing, viens à Business 110 le Bootcamp. C'est 10 000 euros le billet, 15 000 dollars canadiens, 10 000 euros le billet, les 3 jours de formation. Investis dans ton business, dans des connaissances, dans ton coaching, dans des stratégies, dans de la vente, dans du marketing. Et ensuite, à Business 110 le Bootcamp, je te demanderai d'investir encore plus dans le marketing digital, d'investir dans la publicité. La plupart des entrepreneurs ne mettent pas, même pas 1 000 dollars en publicité. J'investis plus de 2 millions de dollars dans la publicité chaque année. Mais si tu n'investis pas d'argent, tu n'auras pas d'argent. C'est comme l'énergie. Si tu ne crées pas de l'énergie, tu ne pourras pas dépenser de l'énergie. Plus tu as d'énergie, plus tu en as. L'argent, c'est la même chose. Les employés, les équipes, c'est la même chose. L'état d'esprit, la confiance, c'est la même chose. Donc voilà, c'est un message pour les entrepreneurs. Je vous embrasse. Très bon week-end à tous et allez sur programmestarter.com, programmestarter.com pour tout le monde. Faites ces 5 semaines de tour de chauffe et de préparation avec moi pendant 5 semaines. Et ensuite, je vous donne rendez-vous au Weekend Spark en mars à Montréal, en avril à Paris. Et Business 110 le Bootcamp qu'avec des gens comme moi, qui veulent devenir comme moi. Et on sera uniquement entre nous, entre entrepreneurs, et on saura de quoi on parle. À bientôt.